Bonjour mes amis, comment allez-vous? Aujourd'hui est le deuxième cours de français, d'anglais et d'allemand. Avec moi, vous allez parler français, anglais, allemand. Good morning, my friends. How are you doing? Today is the second course of French, English, and German. With me, you are going to speak French, English, and German. Guten Morgen, meine Freunde. Wie geht es Ihnen? Heute, wir werden sprechen Französisch, Englisch und Deutsch. Mit mir, wir werden sprechen Französisch, Englisch und Deutsch. Nous allons commencer avec la présentation. We are going to start with the presentation. Wir werden fortfahren mit der Präsentation. On commence. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Français? On parle français. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, comment vous appelez-vous? Quand vous parlez français, comment t'appelles-tu? Et le tutoiement singulier, comment vous appelez-vous? Et le vouvoiement singulier ou pluriel? In English, when you say comment t'appelles-tu? In English, you say, what is your name? Bonjour, comment t'appelles-tu? Good morning. What is your name? Good morning. What is your name? When we speak French, we say, bonjour, comment vous appelez-vous? We say, good morning. What is your name? Good morning. What is your name? Yes? Wir sprechen Deutsch. Nous parlons allemand. We speak German. Guten Morgen. Wie heißt du? Pour dire bonjour, comment t'appelles-tu en allemand? Guten Morgen. Wie heißt du? Le W se prononce par V. When you have W, you pronounce W like V. I-E se prononce par I. E-I se prononce par I. Bonjour, comment t'appelles-tu? This is French. In English, good morning, what is your name? In German, in Deutsch, wir sprechen Deutsch. Jetzt. Guten Morgen. Wie heißt du? Guten Morgen. Wie heißt du? Mais pour dire bonjour, comment vous appelez-vous? In English, good morning, what is your name? In German, in Deutsch, Guten Morgen. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Sie, quand nous avons la consonne S placée devant une voyelle, la prononciation est Z. Sie, je viens de vous dire, I-E se prononce par I. Sie, Guten Morgen, bonjour, Guten Morgen, bonjour. Wie, comment heißen Sie, vous appelez-vous? Guten Morgen, wie heißen Sie?
Good morning. What is your name? Bonjour. Comment vous appelez-vous? In French, we have Comment t'appelles-tu? In English, what is your name? In French, we have Comment vous appelez-vous? In English, what is your name? But in German, when we have Bonjour, comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu in German? Wie heißt du? Comment vous appelez-vous? Wie heißen Sie? En français, je m'appelle Paul. Je peux dire aussi, mon nom est Paul. In French, I can say, je m'appelle Paul. I can say in French too, mon nom est Paul. Mon nom est Paul. In English, my name is Paul. In German, ich heiße Paul. Ich kann sagen, mein Name ist Paul. Ich kann sagen, ich heiße Paul. Je peux dire, I can say, ich kann sagen, ich heiße Paul. Ich kann sagen, mein Name ist Paul. My name is Paul. We have the verb heißen. Nous avons le verbe heißen en allemand. Wir haben das Verb heißen. Das Verb heißen meint s'appeler in Französisch. Das Verb heißen meint to be called in English. Heißen, s'appeler. Ich heiße, je m'appelle. Du heißt, tu t'appelles. Er heißt, il s'appelle. Sie heißt, elle s'appelle. Er heißt, elle s'appelle. Wir heißen. Wir heißen. Nous nous appelons. Wir heißen. Nous nous appelons. Ihr heißt. Vous vous appelez. Il s'appelle. Sie heißen. Mais nous avons aussi Sie heißen qui veut dire vous vous appelez, parce que S majuscule, Sie heißen, vous vous appelez. Masculin singulier, féminin singulier. Masculin pluriel, féminin pluriel. Sie heißen. In English, ich heiße, my name is. Du heißt, your name is. Er heißt, his name is. Sie heißt, her name is. Sie heißt, her name is. Wir heißen, our name. Ihr heißt, your name. Sie heißen, their name. Sie heißen, their name. Sie heißen, your name too. Ok? On peut avoir une conversation. Bonjour, monsieur.
Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Je vais bien aussi. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Paul. Et vous? Et vous? Je m'appelle Pierre. In English, what I have just said. In French, good morning, sir. How are you? I can say too, good morning, sir. How are you doing? I'm doing well. I'm doing good. I am fine. I am good. And you? I'm good too. What is your name? What is your name? My name is Paul. And you? My name is Peter. Wir sprechen Deutsch. Wir sprechen Deutsch. Guten Morgen, Herr. Guten Morgen, Herr. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Es geht mir gut. Es geht mir gut. Und Ihnen? Und Ihnen? Es geht mir gut auch. Es geht mir gut auch. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich heiße Paul. Ich heiße Paul. Und Sie? Und Sie? Ich heiße Peter. Ich heiße Peter. Ich heiße Peter. Je continue avec la présentation. I continue with the presentation. Ich fahre mit der Präsentation fort. Qui es-tu? Qui es-tu? Et le verbe être. In English, who are you? Who are you? Qui es-tu? Who are you? Qui êtes-vous? Who are you? Mais en allemand, in Deutsch, qui es-tu? Qui est vert? Le W se prononce par V. Wer bist du? Wer bist du? Qui es-tu? Ich spreche Deutsch jetzt. Ich spreche Deutsch jetzt. Ich sage, wer bist du? In Französisch, qui es-tu? In English, who are you? In Deutsch, wer bist du? Mais quand je dis qui êtes-vous? Qui êtes-vous? In English, who are you? Who are you? In German, wer sind Sie? Le D final se prononce par T. La consonne S placée devant une voyelle, elle se prononce par Z. Wer sind Sie? Monsieur, qui êtes-vous? Sir, who are you? Herr, wer sind Sie? Herr, wer sind Sie? Qui es-tu? I speak French now. Qui es-tu? English, who are you? German, wer bist du? I speak French now. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? English, who are you? Who are you? German, wer sind Sie? Wir sprechen Deutsch. Nous parlons allemand. Wir sprechen Deutsch. Wir sagen, nous disons, wir sagen. Qui êtes-vous?
Wer sind Sie? Wer sind Sie? Maintenant, je dis, je suis Paul. Now, I say, I am Paul. Yep, sage ich, ich bin Paul. Je suis Paul en français. I'm Paul in English. Ich bin Paul in Deutsch. Ich bin Paul in Deutsch. Le verbe être en allemand. The verb to be in German. Das Verb sein in Deutsch. Das Verb sein in Deutsch. Je suis. Ich bin. I am. Je suis. Ich bin. I am. Tu es. Du bist. You are. Tu es. Du bist. In German. In Deutsch. You are. Du bist. Il est. He is. He is. Ist. Ist. Il est. He is. Elle est. She's. She's. Sie ist. Sie ist. Il est ou le neutre. Es ist. Nous sommes. We are. Wir sind. Wir sind. Nous sommes. We are. We are. Wir sind. Vous êtes. Ihr seid. Ihr seid. Ils sont. Ou elles sont. They are. Ils sont. Elles sont. Sie sind. Sie sind. Mais pour le vouvoiement singulier, de forme au from, sie sind. Sie sind. Monsieur, qui êtes-vous? Monsieur, qui êtes-vous? Sir, sir, who are you? Monsieur, qui êtes-vous? Sir, who are you? Herr, Herr, wer sind Sie? Herr, wer sind Sie? Herr, wer sind Sie? Je suis Paul. Je suis Paul, French. Je suis Paul, French. I am Paul, English. I am Paul, English. Ich bin Paul, Deutsch. Ich bin Paul, Deutsch. Merci pour tout. À bientôt. Merci pour tout. À bientôt. Thank you for everything. Danke für alles. Danke für alles. À bientôt. See you soon. Bis bald. Bis bald. À bientôt. See you soon. Bis bald. Bis bald.